qui est intéressant dans la pédagogie interactive et ce qui a changé notre travail et notre façon de faire, et aussi surtout pour les enfants, c'est la liberté de passer d'un atelier à l'autre, faire ses propres expériences et ne pas rester figé sur une activité, et aussi surtout interagir avec ses copains et ses copines. Et c'est très important pour les enfants de faire les découvertes d'eux-mêmes et aussi en regardant les autres enfants. La pédagogie interactive a permis aussi aux bébés de venir participer aux activités, venir librement. Avant, on pensait que les bébés n'étaient peut-être pas capables de faire certaines choses, alors que là, ils viennent et on s'aperçoit qu'ils participent très bien et qu'ils font des découvertes très intéressantes aussi. La pédagogie interactive est une méthode de travail d'équipe qui permet de réfléchir ensemble à ce qu'on met en place au niveau des enfants. Quand on fait une activité pâte à sel, par exemple, on va définir les objectifs et puis on va définir qui fait quoi, quand, où, quoi, comment. Et après, ensemble, on va faire des observations et puis, en fonction de ces observations qui peuvent être en direct ou grâce à la vidéo, on va réajuster ce qu'on met en place au niveau des enfants en fonction de notre analyse.